Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus a donné un exemple de très grande humilité. Alors pour les disciples, il était dans un endroit avec eux, il a pris une bassine, il a mis de l'eau, il a retiré ses habits d'en haut, il a juste gardé ses sous-vêtements, il s'est enroulé dans une serviette et était allé leur laver les pieds un à un. Et alors l'apôtre Pierre a dit « Non, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais Pierre, si je te lave, tu ne seras pas alors avec moi. » Il a dit « Seigneur, la tête et le corps, tout est propre, il a dit. » Non, tout le monde qui a déjà été lavé a juste besoin de la parole. Et il a seulement besoin maintenant de laver les pieds. Donc je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Mais si Dieu alors touche pour que je fasse cela, alors je vais mettre la bassine et je vais laver vos pieds avec attention. Ou je vais faire un autre acte digne alors pour que vous vous approchiez plus de Dieu, hein. Et ensuite, il dit la chose suivante, Jean 13, 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, être humble et sortir du piédestal, parce que cela satisfait notre Père. » Regardez cette personne qui a été bénie maintenant. C'est quoi votre prénom ? Mon prénom, c'est Edna. Je suis venue aujourd'hui. Edna ? Oui, Edna. Je ressens une douleur dans le corps et ce pied ici, ça fait déjà un an. Je sens de fortes douleurs à ce pied parce que j'ai souffert une tension au pied. Mais au moment de la prière, j'ai commencé à sentir une douleur très forte et la douleur a diminué. C'est presque bon. Et comment est-ce que vous marchez avec ce pied malade ? Je marchais ainsi, avec difficulté. Parce que je marchais ainsi. Comme ça ? À présent, marchez normalement, ma sœur. Oh, gloire à Dieu, que c'est beau ! À présent, je vais prier avec vous. Priez avec moi à présent, Père. Je vais maintenant, Dieu, descendre et conduis-moi où il est nécessaire pour que je puisse libérer ces personnes. Le lavage des pieds, c'est l'acte final de ces disciples pour qu'ils puissent alors être complètement de Dieu. Il manquait que cela. Qu'est-ce qu'il manque alors pour moi ? Qu'est-ce qu'il manque pour cette personne ? En amour alors pour toi, à présent, je m'unis et détermine que tout le mal sorte de cette vie et s'en aille de là. Au nom de Jésus et merci Seigneur.